moi, c'est essentiel de faire une exposition d'affiches politiques pour parler de politique, tout simplement parce que quand on regarde l'histoire du monde, ce qui reste, c'est l'art. Les belles paroles, les beaux discours, souvent partent, on en garde des écrits, mais ce qui reste, c'est les images. Et on se rend bien compte que l'homme politique, ce qu'il cherche à mettre en avant, c'est à glorifier ses idées. L'art, et notamment l'art graphique, permet d'accélérer en fait le processus révolutionnaire. Cette imagerie hyper populaire a été faite évidemment pour les rues, ce déambulatoire public éternel des citoyens dans ce grand espace urbain que sont les villes, et aussi les villages, et notamment et bien sûr en Russie. Et cette imagerie très éphémère, lacérée par les uns, surchargée par les autres, déchirée par les troisièmes, recouverte par les suivants. Comme je dis, c'est l'art qui reçoit la pluie. Elle vit sa vie sur les murs lépreux, au-dessus des crottes de chiens. Et ma foi, elle est très vite oubliée parce qu'une affiche de propagande chasse l'autre et tous les camps s'expriment. La révolution, c'est un élan politique, un élan social, un élan politique, mais c'est aussi un élan culturel. Et donc le fait que des créateurs s'engagent au service de la révolution avec leur art est le signe, justement, le signe d'une effervescence extraordinaire, loin des clichés l'art au service de la politique comme simplement une arme de propagande. Il y a de la propagande, évidemment, mais il y a de l'art. Des gens de rien, des affiches qui sont simples, c'est là, accoudés au parapet de l'air. Ils regardent en haut de la tour, ils respirent école, une lumière doit s'allumer. La lumière s'allume, 3 euros.